guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison, nous implorons la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Peuple de Dieu, bonsoir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous nous préparons pour passer ce moment ensemble dans la prière et dans la méditation de la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ses fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse la miséricorde. Qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le premier cantique de ce soir, le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu.
Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend de gloire. Nous allons maintenant écouter, méditer sur la parole de Dieu. Écoutons le psaume 127, 128 et 129, suivi de la lecture de l'Ancien Testament de 2 Samuel, chapitre 18, les versets 1 à 18. Psaume 127, Cantique des degrés, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Psaume 129. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras, et les passants ne disent point « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous », Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. 2 Samuel, chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishaï, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Ittaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishaï et à Ittaï, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. »
Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 sicles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 sicles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishaï et à Ittaï, prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens, qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette, et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument 127, qu'on appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Suivi de la lecture de l'Ancien Testament de 2 Samuel, chapitre 18, les versets 1 à 18. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez la lecture selon les Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du 34e verset. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute chose, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il envoyait la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes chers amis, je vais prendre pour notre méditation de ce soir le psaume 127. Ce poème spirituel qui met en avant la dépendance de l'homme envers Dieu dans la construction de sa vie, de sa famille et de son pays. Ce psaume-là, il rappelle-nous que toute réussite humaine dépend de la bénédiction divine et que bon Dieu lui accorde tout son bon bienfait à ceux et celles qui mettent cette confiance en lui. Dans son premier verset, nous découvrons une vérité profonde et réconfortante qui dit nous, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Sa déclaration-là rappelle-nous que nos efforts humains sont en vain sans la bénédiction de Dieu. Nous sommes capables de planifier, construire, travailler dur, mais sans la guidance, sans la faveur de Dieu, nos bonnes actions sont capables d'amener nous à la frustration. Ça fait cela qui résonne profondément dans de nombreuses situations de la vie et les particulièrement appropriées dans différents cas que nous vivons. Il rappelle nous que nous dépendons envers bon Dieu, est indispensable. On regarde quelques exemples de bonnes situations que ça fait cela il trouve une signification importante. On nous prend la construction d'une famille. Ça fait cela, il est parfaitement adapté au couple qui peut aspirer à fonder une famille. Il rappelle nous que même avec tous nos bons projets, toutes nos bonnes préparations, c'est la grâce de Dieu qui donne nous bons enfants. Il encourage nous à confier nos bons désirs de parentalité à Dieu, à lui faire lui confiance pour bâtir nos familles, nos foyers. À nous prendre un autre exemple, l'édification dans une carrière professionnelle, par exemple. Dans le monde du travail, nous sommes capables d'être obsédés par la réussite et l'ambition. Ce verset-là, il rappelle nous que nos bonnes carrières dépendent de la providence divine. Il encourage nous à travailler dur, mais aussi à reconnaître que le succès ultime lit entre les mains de Dieu. Quand nous pouvons poursuivre un projet personnel, peut-être capable de la création d'une entreprise, ou bien concernant un projet de société, ou bien tout autre objectif. Ça fait c'est du psaume 127 là, lit maintenant en garde contre l'orgueil et l'illusion de tout contrôler. Et lui rappelle-nous que nous besoin cesse la bénédiction de Dieu dans tous nos bons efforts. Et là aussi, nos questions relationnelles, comment construire nos bonnes relations. Bonnes relations interpersonnelles, que ce soit bonnes relations amicales, amoureuses ou professionnelles, c'est également un domaine que ce verset-là est capable d'appliquer. Il rappelle nous que bon Dieu, c'est le fondement de toute relation saine et durable. Et quand nous péchons à construire un lien solide, nous devons mettre bon Dieu au cœur de nos bonnes relations afin que les capables éclairent nous. À nous cause aussi question sécurité et la protection. En période d'incertitude ou bien de danger, ce verset-là lui apporte un réconfort émotionnel et spirituel et il rappelle-nous que nos sécurités lui dépendent de bon Dieu. Il invite-nous à chercher sa protection et à faire lui confiance pour garder nous en sécurité. En fin de compte, ce premier verset du psaume 27 encourage-nous à cultiver une la vie humble, une confiance humble en Dieu dans toutes les facettes de nos vies. Il rappelle-nous que nos succès et nos bonheurs sont intimement liés à sa bénédiction et à sa grâce. Et quand nous reconnaissons nos dépendances envers lui, nous vivons une vie plus équilibrée et émotionnellement, spirituellement enrichissante. De même, le deuxième verset, qui évoque la futilité de s'inquiéter excessivement ou bien de travailler sans relâche. Si l'Éternel, il dit nous, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Cette parole-là, est particulièrement appropriée
parce que cause nous de la vigilance humaine face aux bonnes menaces de danger qui capables guettent une famille, une la ville, un pays. Il exprime de manière puissante la nécessité de la protection divine et l'utilité de bons efforts humains sans son protection. Voilà quelques exemples de situations de la vie que tu savais, c'est là, il prend tout son sens avec une tonalité passionnelle. D'abord, la sécurité d'une communauté. Cette bonne parole-là est particulièrement appropriée quand nous réfléchissons à la sécurité de notre communauté ou bien de nos nations. Il rappelle-nous que même si nous mettons en place une bonne mesure de sécurité, une bonne stratégie de défense, la protection ultime, l'évine depuis bon Dieu. Et cela évoque bonne émotion d'humilité, de confiance en Dieu pour garder nos pays, pour garder la nation à l'abri de bonnes menaces. Et non aussi l'anxiété parentale. Bonnes parents souvent préoccupent autres par la sécurité des autres enfants, qui est tout à fait légitime, que ce soit à la maison ou bien à l'extérieur. Ça, les psaumes-là, il apporte du réconfort en rappelant que même si bonnes parents font faire des autres mieux pour protéger les autres enfants, c'est bon Dieu qui veille aux autres, avant tout et après tout. À nous remettre bonnes soucis et nos bonnes peurs concernant la sécurité de nos proches entre la main bon Dieu. Et là aussi, cette quête pour la tranquillité d'esprit. Dans une société où le stress et l'anxiété sont omniprésents, bonne parole de ce psaume rappelle-nous l'importance de la paix intérieure. Même si nous travaillons dur et que nous-mêmes inquiétons, sans la paix que Dieu accorde nous, nos bonnes efforts liés en vain. À nous donc rechercher la paix intérieure et la confiance en Dieu pour que nous capables trouvent le repos. Nous capables aussi cause de la protection spirituelle. Sur le plan spirituel, ce psaume, ce deuxième verset du psaume 127, rappelle-nous que la vigilance contre les forces spirituelles malveillantes est essentielle. Sans l'Esprit de Dieu en nous, nos bons efforts pour résister au mal, les pour futiles. À nous donne à bon Dieu sa place dans nos la vie et les pour prendre soin de nos protections spirituelles. Nous avons une inquiétude face à l'avenir, nous préoccuper de ce que l'avenir réservait pour nous. Nous l'avenir est dans la providence divine et dans la volonté bon Dieu pour chacun. Nous allons inviter à mettre nos confiances en Dieu et à laisser de côté nos bonnes anxiétés et à trouver la paix en lui. Dieu lui prend soin de son bon bien-aimé, même dans nos sommeils. Quand nous pouvons reposer, bon Dieu lui peut veiller en nous. Et lui pourvoir nos bonnes besoins en nous accordant la paix. Nous besoin donc éviter de nous consommer, laisse-nous être consommés par l'anxiété et apprendre à remettre nos bons soucis entre les mains de Dieu. Nous continuons l'analyse à bon verset de ce psaume-là. Verset 3, il dit nous, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. » Bons enfants, c'est un don précieux de Dieu. Les enfants, ce n'est pas seulement une responsabilité, mais c'est aussi une bénédiction. C'est une récompense pour ceux qui craignent le Seigneur. Ce verset-là rappelle-nous également que bon Dieu, l'icône de nos bons désirs profonds et que lui bénit nous la vie de manière, de bonne manière inattendue. Le verset 4, il compare les fils de la jeunesse aux flèches de la main d'un guerrier. Comme une bonne flèche, une bonne arme puissante dans la main d'un militaire, d'un monde qui a vu la guerre. Bonnes enfants aussi, autres précieux,
et grand potentiel. C'est l'avenir et la force de la famille et de la nation. Et cela enseigne-nous l'importance de l'éducation et de la formation des jeunes générations pour qu'ils soient capables d'être bons citoyens responsables et bons instruments efficaces dans la main bon Dieu. Et le cinquième verset conclut le psaume en proclamant la félicité de l'homme qui remplit son carquois de ses fils. Cela dit nous que ceux qui en ont beaucoup d'enfants et qui forment autres à aimer et à écouter Dieu, à grandir dans son amour et son obéissance, ce sont des personnes bénies et fortunées. Et ces bons enfants-là, plus tard, quand ils grandissent, ils ne peuvent jamais être confus ou bien honteux quand ils font face à l'ennemi, parce que bon Dieu protège autres et défend ceux qui sont fidèles à lui et qui marchent dans son chemin. Chers amis, le psaume 127 rappelle-nous que la vie, la famille, le pays et la sécurité, c'est bon don de Dieu. Nous devons éviter pas être fiers et dépendre de nos propres forces, mais plutôt mettre nos confiances en lui. Nos bons enfants, c'est un trésor. Et l'éducation que vous allez recevoir est cruciale pour votre avenir et l'avenir de nos sociétés. Ce psaume-là invite-nous à reconnaître nos vulnérabilités et à rechercher la protection et la paix que Dieu lui offre, lui offert à tout un chacun. Il évoque une émotion d'humilité, de confiance, de dépendance envers Dieu dans notre quête de sécurité et de tranquillité d'esprit. En effet, le psaume 128 qui suit, qui donne une parole d'assurance merveilleuse, il agit comme une conclusion de ce psaume 127. Et son deux premiers versets apporte un sourire confiant dans nos visages et vient réjouir nos cœurs quand il dit nous, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Chers amis, quand nous suivons bon Dieu avec la foi et l'obéissance, il veille nous, il protège nous et il accorde nous toutes ses bénédictions. Donc, ce psaume 127 encourage nous à cultiver une dépendance confiante envers Dieu et à reconnaître que tout ce qui nous est non, tout vient de lui. Et c'est pour cela qu'à chaque dimanche, quand nous célébrons l'Eucharistie, pendant l'offertoire, nous dit Seigneur, tout vient de toi et c'est de ta main même que nous te donnons avec réjouissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Nous nous approchons de toi aujourd'hui, Seigneur, reconnaissant que toute notre vie dépend de ta grâce et de ta bénédiction. Comme le psaume 127 nous le rappelle, sans toi nos efforts sont vains et nos veilles inutiles. Nous te confions nos soucis et nos craintes, sachant que tu es notre protecteur et notre pourvoyeur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te remercions pour les dons précieux que tu nous as accordés, que ce soit notre famille, nos amis, notre travail ou notre sécurité. Nous te prions de bâtir nos vies et nos familles de ta main aimante. Et aide-nous à élever nos enfants dans ta lumière et à vivre chaque jour dans la certitude que notre sécurité repose en toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions nos soucis et nos peurs. Protège-nous, garde-nous des dangers visibles et invisibles. Et aide-nous à cultiver une humble confiance en toi, sachant que tu es le fondement de tout ce que nous avons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions également pour la protection à la fois physique et spirituelle,
Que ton amour et ta grâce nous enveloppent, dissipant nos inquiétudes et nos peurs. Te demandons de nous rappeler que tu es toujours là, veillant sur nous jour et nuit. Accorde-nous la grâce de mettre notre confiance en toi et de trouver la paix en ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom et fais-y grandir une foi véritable. Que ta bienveillance la nourrisse, et produis en nous des fruits qui te plaisent, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions et demandons la paix de Dieu, la paix pour dans notre cœur, la paix pour notre famille, la paix dans nos foyers, dans notre pays, la paix dans le monde. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur et invoquons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage à ceux qui souffrent, console les affligés, et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Allons dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et merci de m'accompagner et de méditer ensemble avec moi sur la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix et l'assurance de sa présence toujours. Bonne soirée. Face toward you and
upon you in a thousand generations. Your family, your children, their children, their children. His favor upon you in a thousand generations. Your family, your children, their children, their children. May his favor be upon you in a thousand generations. And your family, and your children, and their children, and their children. Yeah.